Dengai, dieu qui créa la savane africaine et le peuple Maasai. Il serait digne d'élever les ébus qu'il leur avait offerts. Les Maasai pensent que les cendres projetées par le volcan sont le signe que les prières faites à Dengai ont été exaucées. En 1660, une coulée du Vésuve menace un village italien. Une procession est organisée. Soudain, de petites croix tombent du ciel. Est-ce un signe de Saint Janvier, protecteur des populations face au volcan? Plus prosaïque, la science y voit des pyroxènes. Cristaux noirs jaillent du cratère. En saupoudrant de cendres les terres alentours, permettent trois récoltes de riz par an. Chaque année, une fête joyeuse, le Kesodo, est organisée en l'honneur de Brahma, dieu hindouiste qui apporte prospérité et protection. Fujisan abrite la déesse qui fait fleurir les cerisiers. Les pétales, emportés par le vent, symbolisent le caractère éphémère de la vie. Le Fujisan est aussi un lieu de pèlerinage essentiel. Tout Japonais doit, au moins une fois dans sa vie, gravir ce volcan pour saluer le soleil levant et à travers lui, la déesse fondatrice du Japon. Redoutez le courroux de la déesse hawaïenne Pelé. Le volcan qui aurait sa demeure.